Vous pensez là, à notre débat à nous, vous pensez non, à la... Pas à celui-là, mais... D'une façon générale. Oui, d'une façon générale. Alors, sur Athènes, à Athènes, donc, il y avait une assemblée où se réunissaient tous ceux qui voulaient venir. Donc ils étaient 30, 40, 50 000 suivant les époques, hein, puis il y a eu la peste, c'est 200 ans, c'est long, donc la population a changé, puis il n'y avait pas de recensement, donc c'était des approximations hein, qu'on a sur la population à Athènes. Mais donc quand ils se réunissaient, ils étaient, pratiquement tout le temps, ils étaient 6 000. Donc ça fait une grande assemblée ça. Hein. 6 000, il n'y avait pas de micro, 6 000, tout le monde se tait. Il y en a un qui parle à la fois. Et on ne discute pas, c'est pas au moment de voter les... Là, on va voter. C'est pas au moment de voter les lois qu'on discute, discutaille pour dire qu'est-ce qu'on veut. C'est avant, le travail des tirés au sort, certains tirés au sort, préparaient les lois. Et on discutait sur l'agora pour savoir quelles étaient ces lois. Puis venait le moment où on allait les voter, et là, il y avait les orateurs qui défendaient, ceux qui prêchaient pour, ceux qui prêchaient contre, un à la fois, et on écoutait. Donc, si vous voulez, à l'Assemblée d'Athènes, il n'y avait pas de débat. Il y avait une série de discours les uns après les autres et le vote. Les citoyens sont autonomes, ça veut dire qu'ils écrivent eux-mêmes, ils votent eux-mêmes les lois auxquelles ils consentent. Donc c'était ça la raison d'être de la démocratie. Ce n'était pas de venir à bout des injustices sociales, enfin des Athéniens. En tout cas, je n'ai rien lu de ce qui allait dans ce sens-là. Simplement, ils tenaient, après 800 ans, ils venaient de se prendre 800 ans de tyrannie sur leur âme, ils en avaient marre des tyrans, et ils ont voulu imaginer un régime d'égalité politique. Alors, je reviendrai aux objections tout à l'heure, mais comme on a notre schéma, alors le schéma, c'est celui que vous avez sur votre feuille de papier, en petit, et qui est en deux parties, enfin, il y a le haut et le bas. Donc, ça tombe bien, bon, je pourrais le mettre à l'écran en entier, mais ce serait écrit plus petit, ce serait moins lisible. Alors qu'en fait, il faut d'abord que je vous parle du haut, et ensuite, je vous parlerai du bas. Donc, ça va bien. Donc, il vaut mieux que ce soit gros, comme ça, ce sera plus lisible. Est-ce que ça marche, ce truc-là? Ça marche, ouais. Le centre du schéma, c'est l'objectif des Athéniens. Alors, moi, je vous dis ce que j'en lis. Hein. Je lis beaucoup sur les Athéniens. Je vous donnais quelques sources formidables et délicieuses. Et puis, après ça, je peux me tromper. Hein. Ne m'en veuillez pas si je me trompe. Tout le monde se trompe. Je veux dire, ceux qui prétendent qu'ils ne seront pas sont des menteurs. Je cherche de bonne foi. Si vous me signalez où je me trompe, vous verrez. Je change, je m'adapte. Je ne cherche pas du tout à avoir raison. Je cherche à imaginer avec vous un système qui marche, pragmatique. Je ne suis pas du tout idéaliste. Enfin, je suis idéaliste peut-être. Enfin, je ne suis pas du tout. Ce n'est pas une rêverie, mon truc. Je cherche à quelque chose qui est robuste, qui est tout à fait possible. Si je disais c'est un truc qui ne marchera jamais, je ne le ferais pas du tout. Je ne me donnerais pas tout ce mal. Donne beaucoup de mal. Oui. Je vous suis depuis quelques années et je vois une évolution en fait. Tu nous dis que vous cherchez. Je trouve que vous êtes de plus en plus technique. Ah. Et de moins en moins humain, je veux dire, vous parlez des 99%, ouais. Mais il faut savoir que des 85% c'est un peu trompeur, parce que des 99%, il y en a 90% qui n'ont strictement rien à foutre, et même si vous leur donnez le pouvoir, ils en voudront pas. Je ne vais pas leur donner le pouvoir. La question du poster, moi j'ai essayé, hein, 99% des gens qui passent chez moi, ils ne lisent pas ou ils ne demandent rien, et puis 1% c'est des questions de politesse. Donc il faut que ça soit pragmatique. À mon sens, la démocratie ça marche parce que c'est super simple. Vous allez voter une fois tous les 5 ans, et puis vous vous souhaitez autant que vous voulez, on s'en fout, voilà. Enfin, le gouvernement représentatif, vous voulez dire pas la démocratie. Oui, pardon, actuellement. Enfin, donc c'est très bien de vouloir quelque chose de bien, mais il faudrait que ça soit... Enfin, je trouve qu'on se dirige plus en plus vers un système où ça demande trop de travail à trop de gens. Ah oui, c'est possible ça. Il faudrait une autre éducation du départ. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un travail... C'est quoi votre prénom? Alexandre. Est-ce qu'on pourrait pas faire un travail d'équipe, Alex? J'entends ça, moi. À force de travailler là-dessus, je deviens pointu, je deviens plus technique. J'ai tellement de choses à dire que ça devient long à expliquer. Ça devient en fait accessible pour plutôt des gens qui se sont mis au boulot, et c'est pas tout le monde, ça, c'est peut-être 10% de la population si on est optimiste. Je suis complètement d'accord avec ça, j'entends ça. Mais en même temps, c'est pas perdu, il faut pas du tout compter sur moi. Je veux dire, je me sens pas du tout, je me vis pas du tout comme
le gars qui apporte quelque chose. Je me sens une petite pierre, un truc, un rouage dans un ensemble. Et peut-être que moi, je suis arrivé à un niveau qui fait que je ne suis plus accessible parce que c'est trop compliqué, ça fait peur à des gens qui débarquent. Je peux entendre ça tout à fait. Et puis, c'est d'autres. C'est un Alexandre, c'est un Paul. Paul, c'est un gars qui vont simplifier le truc. Paul, il a fait un site qui s'appelle qu'il a appelé. Il m'en a pas parlé, hein. il m'en a parlé après. Ah, j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, c'est génial, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Il a fait un site qui s'appelle lemessage.org. J'en ai mis quelques copies d'écran là, mais en fait, il y a 5-6 pages, c'est fabuleux, c'est très léger, c'est light, c'est 0% de matière grasse. Il y a 5 points qui amènent à très très simplement, avec ce qu'il considère, donc il s'est tartiné toutes les conférences, les textes, il a réfléchi, il s'est fait sûrement la même objection que la vôtre en disant il y a trop de trucs là sur son site au perchoir, c'est inévitable, quoi. Il y en a trop, on se perd, on se noie. Alors il a dit, qu'est-ce qui compte là-dedans? Et il a retenu ce qui semblait essentiel pour arriver à la cause des causes, le processus constituant, le message, et on va tout changer déjà. Si on fait une assemblée, si on fait un gouvernement représentatif, le même qu'aujourd'hui, simplement c'est nous qui écrivons les règles, c'est n'importe qui, mais pas les professionnels de la politique, il va y avoir la même chose qu'aujourd'hui, mais avec des contre-pouvoirs partout, et notre initiative qui permet de bloquer quand on n'est pas content. Mais Alexandre, ça change tout ça déjà, ça vaut le coup. C'est simple ce truc-là. Et donc ça, lui, il l'a fait. Donc il a, dans un site qui s'appelle le-message.org, je vous invite à aller voir ça, il y a 5 points, très court, avec à chaque fois un paragraphe de 2-3 lignes, vraiment ultra léger, et c'est vraiment les mots qui comptent. C'est les mots qui comptent pour comprendre la logique. Point 1, point 2, point 3, donc ce qu'il nous faut, c'est un processus constituant dans lequel il n'y ait pas de professionnel de la politique, et pour que ça marche, il faut qu'on soit nombreux à le vouloir, mais comme ça va régler tous les problèmes, la plupart des injustices sociales vont céder devant notre puissance politique qu'on n'a jamais vue pour l'instant. Le peuple n'a jamais vu sa puissance politique, sa capacité à résister à la catastrophe écologique, à la corruption, etc. Le fait d'avoir enfin rendu possible notre puissance politique va permettre de régler les problèmes. Et donc, dans le message, il arrive très vite, en fait, avec un discours plus simple que le mien, il arrive à ça. Et donc, est-ce que ça ne peut pas être un travail d'équipe? C'est-à-dire que moi, je continue à approfondir le truc, à chercher les objections pour être sûr que c'est robuste et qu'il n'y a pas un truc qu'on a raté, quoi, un loup, un vice caché, un truc qu'on n'a pas vu. Et puis, mais ceci dit, y a une objection, dans ce que vous avez dit, Alexandre, dans l'objection qui consiste à dire j'arrive à convaincre 10%, c'est-à-dire un peu plus que les 1% qui font de la politique, mais il y a 90%, mais qui s'en tapent complètement, c'est terrible, c'est-à-dire que même quand j'essaie de leur en parler, ils me disent, mais parle-moi d'autre chose ou je m'en vais, je reviens plus, quoi. Bon. Évidemment, là, j'ai pas de solution à ça, mais à mon avis, la réponse à ça, c'est que c'est pas nouveau, ça existait déjà à Athènes, et à Athènes, à l'Assemblée, il n'y avait pas les 30-40 000 personnes qui venaient. Il n'y en avait que 6 000. Les autres, ils s'en tapaient complètement. Et ça marchait très bien. Si tu n'es pas content, tu vas à l'Assemblée. Tu vas voter, tu vas discuter. Et si tu es content, eh ben, tu n'y vas pas. Et puis les choses se font sans toi, mais tout va bien. Ce qui est très important dans la démocratie, c'est que ça marche commune par commune, à l'échelle de la démocratie. Quand vous parliez d'échelle, et effectivement, l'échelle, ça doit être la commune. Et commune par commune, viennent ceux qui veulent. Et tu as raison. On n'aura pas des assemblées de 30 000, on n'aura pas le Parc des Princes à chaque fois. On aura des petites assemblées de 6 000, 10 000 personnes, si tout se passe bien, si on arrive à bien gérer notre truc. Oui. Juste une rectification, les 6 000 qui étaient rassemblés sur l'Agora, ils se renouvelaient pas mal, et il y en avait beaucoup qui étaient arrêtés, donc il n'y en avait pas 6 000 qui se passionnaient pour le sujet. Il y en avait plus que ça. Et puis le reste qui restait... Oui, absolument, absolument. Perpétuellement à l'écart. Pour simplifier, je disais qu'il y avait déjà des gens qui s'en foutaient, et le jour dit, il n'y en avait que 6 000 qui étaient là, mais vous avez raison de dire que ce n'était pas toujours les mêmes, qu'ils venaient quand il y avait un sujet qui les intéressait. Mais il faut
faut parce qu'il y a avoir les moyens d'analyser. Parce qu'actuellement, l'éducation qu'on a, elle ne nous donne pas forcément les moyens d'analyser. Vous avez raison. Mais là encore, la réponse est dans la solution. C'est-à-dire que, comme dit Tocqueville merveilleusement, les jurés tirés au sort, c'est une école. C'est-à-dire que ça nous apprend, comme disait Aristote, le citoyen, il apprend son boulot de citoyen en pratiquant. Il est tantôt gouverné, tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Et c'est ça qui le rend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, ce qui est très important dans la démocratie, là, c'est que comme il voulait une égalité réelle, il voulait l'amateurisme. L'amateurisme, ça veut dire que ce n'est pas professionnel. Il considérait, et donc là, c'est de la philosophie politique. Il considérait que, certes, pour construire un bateau, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient ces gens-là. Pour mener la guerre, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient leurs généraux. Pour tenir les comptes, il fallait une compétence, savoir compter. D'ailleurs, ils élisaient leurs financiers. Mais ce qu'ils disaient, les Athéniens, et je crois que nous pourrions le dire, nous ne devrions pas être complexés de ce point de vue. Parce qu'il y a plein d'expériences. Le bouquin de Saint-Omer, si j'oublie de vous en parler, vous me direz tout à l'heure, il y a plein d'expériences humaines de tirage au sort qui montrent que nous sommes tout à fait compétents, les tireurs au sort sont compétents. Et donc, ce que disaient les Athéniens, c'est pour faire de la politique, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas besoin de compétences, nous avons la compétence, nous avons tous, parce que nous sommes vivants avec un cerveau, bon, il n'y a pas les fous, hein, ils avaient... Vous le voyez sur votre papier, mais là, il y avait la docimasie, c'est-à-dire c'est un examen de passage qui n'examinait pas la compétence. Je vous répète, il se considérait comme... C'était un pari, c'était pas un pari, c'était un axiome. On posait, on était démocrate, et bien on posait. Et ça, c'est un fondement, hein, c'est un pilier. Si vous retirez ça, vous retirez la démocratie, quoi. C'est un pilier qui disait, nous postulons notre égalité politique. Pas notre égalité intellectuelle. On sait bien, les Athéniens savaient bien qu'il y avait des fous, des voleurs, donc ils se méfiaient les uns des autres. Hein. Ils savaient très bien qu'il y avait des abrutis ou des malfrats. Donc, mais politiquement, nous sommes égaux. Ils le postulaient. Il n'y a pas de compétence politique. Il faut relire Castoriadis. Hein. Castoriadis le met en évidence. Et donc, si vous voulez, la compétence ensuite dont on va avoir besoin pour juger les affaires, est-ce qu'un élu l'a plus qu'un tiré au sort, mais moi je le conteste, mais je le conteste formellement. Enfin, si je risquais de faire la liste des bêtises que font nos élus partout dans le monde, à commencer par le déclenchement des guerres et des explosions atomiques pour tester les prochaines armes épouvantables et l'entraînement de l'armée avec des armements mais extravagants. Tout ça, c'est les élus qui décident tout ça sous l'influence des militaires. Quand je fais la liste des épouvantables erreurs que font nos élus, j'ai pas peur, hein, sur les tirs au sort que nous allons être. On aura du mal à avoir un palmarès d'erreurs aussi riche. Ce qui fait la compétence d'un élu quand il vient d'être élu, un jeune élu, il est bon à rien. C'est un jeune avocat, bon, il est un bon avocat, mais il est nul sur le réchauffement climatique ou sur la géostratégie ou sur l'écologie. Il connaît rien, rien. Et qu'est-ce qui va le rendre compétent? Mais pourtant, il va devenir compétent. Qu'est-ce qui va le rendre compétent? C'est son travail. Il va se mettre sur un sujet, il va se mettre à bosser. Mais le tirer au sort, c'est pareil. Les tirer au sort, ils sont pas compétents. Dites-vous, ça vous fait peur en disant il faut une formation. Je vous recommande le livre de Saint-Omer qui s'appelait Le tirage au sort et qui s'appelle maintenant, deuxième édition, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Donc lui, il explique le tirage au sort à Athènes. Donc c'est très intéressant dans les plus fins rouages du quotidien. C'est très intéressant de voir comment ça marchait. Comment on pourrait le faire marcher nous aujourd'hui. Et puis ensuite, il explique les expériences de tirage au sort aujourd'hui partout dans le monde. Mais vous vous apercevez que les citoyens incompétents... Attends, c'est les élus là qui nous traitent d'incompétents, mais vous nous vexez. On n'est pas si incompétents que ça, mais qui êtes-vous pour nous dire que nous sommes incompétents? Ne les croyez pas. Quand vous allez voir ce que font les assemblées citoyennes, des assemblées d'incompétents, entre guillemets, des assemblées de gens en fait honnêtes, qui sont tirés au sort, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui se mettent à plancher sur le sujet. Pendant 6 mois, vous avez 3 mois, 4 mois, 5 mois pour réfléchir sur les OGM. Et vous allez écouter les gens de Monsanto, vous allez les faire venir, vous avez de l'argent pour ça, et vous pouvez faire venir les gens de Monsanto, et vous allez leur demander, vous n'y connaissez rien au début, ok c'est vrai, mais vous allez leur dire, mais expliquez-nous pourquoi, parce que nous on vous demande est-ce qu'on est pour ou contre les OGM, alors ben, il paraît que vous êtes pour, expliquez-nous Monsanto, pourquoi vous voulez les OGM. Et Monsanto envoie ses experts pour expliquer pourquoi. Ensuite, les mêmes incompétents,
Ils savent que la Confédération paysanne, ils ne sont pas d'accord avec les OGM. Alors ils font venir les gens de la Confédération paysanne en disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les OGM ?» Et les gens de la Confédération paysanne leur expliquent. Pendant ce temps, il y a des gens qui écoutent autour. Il y a d'autres citoyens qui ne sont pas de l'Assemblée, mais qui écoutent. Tous ces gens-là se le font et cherchent à comprendre. Ensuite, ils font venir les gens de Bayer, donc un autre Monsanto, en disant « Ils nous ont dit que les OGM, c'est... » Et puis alors Bayer dit « Oui, ils ont oublié de dire ça et ça. » Alors on fait venir les gens... les paysans d'Amérique latine, on a de l'argent, hein, on les fait venir. On leur dit, expliquez-nous, pourquoi vous aviez pas les OGM et vous avez voulu les OGM, pourquoi ? Et vous avez installé les OGM. Ah, ça s'est passé comment ? Et maintenant, si vous faites le bilan, qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien, c'est mal ? Et les paysans d'Amérique latine nous expliquent. Attendez, les incompétents, là. Ensuite, ils font revenir les gens de Monsanto, parce qu'ils sont incompétents, mais ils ne sont pas fous, et ils sont honnêtes. Donc, ils veulent tout savoir. Ils veulent comprendre le truc. Donc, ils ont entendu Monsanto une fois, ils ont entendu les paysans une fois, ils ont entendu les opposants aux OGM une fois, mais il faut pouvoir répondre. Donc, ils vont revenir les gens de Monsanto en disant, « Mais ils nous ont répondu ça et ça, qu'est-ce que vous dites ?» Les gens de Monsanto répondent, etc. Attendez, au bout de 6 mois, ces gens-là, ils sont plus compétents que n'importe qui. Et pourtant, c'est vous et moi, ça. Il faut, je vous conseille de lire, ça va vous donner de la pêche, hein. Vous avez des tas d'histoires d'assemblées tirées au sort de soi-disant incompétents qui, par leur travail, deviennent tout à fait compétents et surtout désintéressés, honnêtes, très difficiles à influencer par les lobbies parce qu'ils ne doivent rien à personne. Qu'est-ce qui fait qu'un élu est corruptible ? C'est qu'il est endetté, l'élu. Il a son pouvoir parce qu'on lui a financé sa campagne électorale. Alors je ne parle pas des petits élus. Hein. Les petits élus, ils peuvent être élus parce que dans une commune, vous êtes élu parce que vous êtes connu. Vous êtes connu comme quelqu'un de bien et puis en plus, vous n'avez pas gagné grand-chose. Hein. Donc il y a souvent beaucoup de dévouement dans les élus des petites bourgades. Hein. Et je ne dis pas du tout que tous les élus sont pourris. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on change de taille et qu'on devient au niveau de la nation, encore plus au niveau de l'Europe, et ce sera le pire encore au niveau du monde, quand il faudra avoir financé une campagne électorale pour gagner une élection à ce niveau-là, tous les élus vont être endettés par rapport à ceux qui ont financé leur élection. Et ceux qui ont financé leur élection, ils ne le font pas par philanthropie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils le font parce qu'ils attendent un retour d'ascenseur. Donc si vous voulez, quand ce sont des élus qui discutent des OGM, ils sont très dépendants de ceux qui ont financé leur élection. Et si dans ceux qui ont financé leur élection, il y a les Monsanto, il y a les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires Big Pharma, vos élus, ils ont beau être compétents, et bien c'est pire parce que s'ils sont malhonnêtes, si vous avez compétents malhonnêtes... Ils sont en conflit d'intérêts, c'est une catastrophe. Donc, je vous dis, l'objection de la compétence, il y a encore d'autres arguments pour réfuter, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Oui. Est-ce que je simplement ce que le petit gars qui tire au sol, il peut être acheté par Monsanto ou acheté alors, par... Alors, bon, décidément, il faut que je réponde à cette objection. C'est pas ça. Attendez, parce que le petit tire au sort, imaginez que c'est vous. Oui. Ou c'est moi. Moi, je ne dois rien à personne. Je suis tiré au sort, Monsanto aussi se pointe pour essayer de me corrompre, mais vous allez voir le foin que je vais faire dans l'Assemblée pour dire « Hey, il y a Monsanto qui est en train de me corrompre. » Parce que si je ne dois rien à personne, c'est beaucoup plus dur de corrompre quelqu'un qui ne doit rien. Autrement dit, à contrario, c'est très facile de corrompre quelqu'un qui vous doit quelque chose. Et comme l'élection à grande échelle met mécaniquement l'élu et le candidat à la prochaine élection, parce qu'il va droguer au pouvoir, il va en redemander, hein, il redemande. Ça le met en situation de dépendance par rapport à ses sponsors financiers et par rapport à son parti, qui lui-même a les mêmes sponsors financiers. Donc il faut comprendre que ces gars-là sont absolument pas indépendants intellectuellement. Ils peuvent être très gentils au début, le mécanisme de l'élection va les corrompre. Je leur en veux pas, hein. Je dis juste que pour nous, c'est pas le bon système. Il faudra que je réponde, parce qu'il y a deux, trois objections très fortes que vous faites. Hein, quand vous dites, il a beau être tiré au sort, il va être corrompu. Et il est corruptible, mais bien sûr qu'il est corruptible. Les Athéniens savaient qu'il était corruptible. Je ne dis pas qu'il est incorruptible, je dis qu'il est plus difficile à corrompre. Mais surtout, normalement je dois pouvoir avancer. Ça c'est vachement bien, ça c'est pas bien. Là j'ai descendu, là je remonte. Ok, donc en dessous, aujourd'hui c'est dans le... tout ça, ça c'est des contrôles. C'est-à-dire que les tirés au sort, ils s'en méfiaient tellement. Parce qu'ils étaient pragmatiques. Ils n'étaient pas du tout utopistes, idéalistes. Ils savaient très bien que parmi les tirés au sort, il pouvait y avoir des affreux.
Alors, ils avaient mis des tas de contrôles. Ils avaient mis des contrôles avant le mandat, pendant le mandat, à la fin du mandat, après le mandat. Enfin, les contrôles, il y a... nous, avec les élus, il n'y en a aucun. Voilà, zéro. Zéro. Parce que le petit contrôle qu'il y a avec les élus, c'est peut-être que tu risques de ne pas être réélu. Mais alors, si tu n'es pas réélu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont voté un revenu, un chômage. Quand tu es viré, tu es payé pendant combien de temps? Dites un chiffre. 5 ans. 5 ans. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas à eux d'écrire ça, quoi. Ils ont écrit, les parlementaires ont écrit des règles qui leur permettent d'être payés pendant qu'ils sont élus. Et quand ils sont rejetés parce qu'ils ont trahi toutes leurs promesses et qu'ils ne sont pas réélus, ils sont quand même payés jusqu'à la prochaine parce que lui, il est en train de mentir. Et donc, pendant ce temps-là, il faut qu'ils puissent continuer à vivre à nos crochets. C'est vraiment nos crochets parce que là, ils ne travaillent plus pour nous, là. Et puis, quand l'autre, à force de trahir, se fait jeter, et comme le choix, c'est ces deux-là, c'est tout, c'est l'UMP ou le PS. Hein, l'UMP, c'est pareil en Angleterre, il y en a deux aussi, aux États-Unis, il y en a deux aussi. Le système mafieux qui se met en place, là, il se retrouve partout dans le monde, comme si c'était des forces naturelles qui se mettaient en place. Parce que c'est ce qu'il y a de plus malin. Hein. Là, quand il va se faire virer, celui-là, eh ben, il passera au chômage et lui, il reprendra son boulot, ce qui fait qu'ils sont à mi-temps, mais grâce à leur indemnité de chômage, ils sont à temps plein. Mais donc, il y a. Aujourd'hui, on n'a pas de contrôle des élus. Il n'y a pas de contrôle du tout. Alors que là, il n'y avait que les volontaires, donc c'était filtré. Donc ceux qui sentaient qu'ils n'étaient pas capables, ils venaient pas. Donc ça fait déjà un flic qui devrait vous rassurer, parce que le gars qui sait qu'il est, ou qui s'en fout, ou bien il sait qu'il se met en colère, ou bien il sait qu'il se filtre déjà. Je vais vite, mais ça vaut le coup d'aller un petit peu plus doucement là, mais je vais vite pour vous répondre et pour répondre aux autres objections. Il y avait la docimation qui était un examen de passage pour les fous, les vrais fous, les jetés. Et puis ils avaient des critères, mais il faudrait que nous réfléchissions aux critères pour savoir qui on peut tirer au sort, qui on accepte comme représentant. Avant de continuer dans les... Vous vous souvenez que les représentants, c'est pas eux qui votent les lois. L'enjeu, c'est pas... Il va voter mes lois. Pas du tout, c'est vous qui allez voter vos lois. Justement parce que vous avez des représentants qui sont tirés au sort, ils vont être affaiblis parce qu'ils sont tirés au sort, ils vont être contrôlés partout. Et c'est parce qu'ils sont tirés au sort et affaiblis et contrôlés que vous allez décider. Donc n'ayez pas peur de l'affreux. L'affreux, il fera mal son boulot de ceci, cela, mais ils ont très peu de pouvoir. Les représentants qui sont contrôlés là, ils ont peu de pouvoir, pour pas longtemps et jamais deux fois de suite. En plus, ils sont contrôlés. Il n'y a rien à craindre du tirage au sort, si vous y réfléchissez pas. Si vous direz, quand on découvre le truc, on ne sait pas comment ça marche, on se dit, ah, tiré au sort. On imagine que les affreux d'aujourd'hui, au lieu de... En plus, le peu de contrôle qu'il y a, on ne l'aura même plus, et ça va être n'importe qui. Non, mais c'est parce que c'est un malentendu. C'est pas du tout ça. La démocratie, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, et puis on tire au sort à la place. C'est pas du tout ça. La démocratie, c'est... Nous votons nous-mêmes nos lois, et comme on ne veut pas, comme il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas préparer nos lois parce qu'on est trop nombreux, donc on les fait préparer par un conseil des 500 tirés au sort. Il y avait un conseil des 500 tirés au sort qui préparait les lois, qui en discutait, avec nous d'ailleurs, hein, on pouvait participer, et puis on votait les lois. Mais donc il faut un conseil des 500, donc il fallait des tirés au sort pour préparer les lois. Il fallait des tirés au sort pour appliquer les lois. Il fallait pour les juges étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. C'est pas con ça. Les juges étaient tirés au sort. Donc ils ne faisaient pas corps, comme disait Robespierre. C'est-à-dire que c'était pas toujours les mêmes qui étaient armés, qui pouvaient tirer et qui étaient impunis, qui étaient protégés. C'est pas du toujours les mêmes. C'était un coup t'es juge et puis dans un an t'es plus juge. Et à la fin de ton mandat de juge, tu rends des comptes. Et peut-être tu vas être puni. Puni. Et puni sévèrement. Et comment tu rends des comptes? Tu rends des comptes devant un tribunal de 200 personnes tirées au sort. Attends, la rédition, ils s'en occupaient de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que quand tu rendais des comptes, le tiré au sort, il était volontaire. Mais c'était pas une sinécure. Hein. Il n'était pas payé 60 000 euros par mois à être absent de l'Assemblée. Hein. Il fallait qu'il bosse, qu'il rendait compte, et peut-être qu'on le mettait à mort à la fin. Donc il faisait attention. Mais comme pour eux, ils le faisaient. Mais parce qu'ils avaient un sens du bien commun, parce que ça marchait comme ça, et parce qu'il y avait le regard des autres, il y avait la vergogne. C'est-à-dire que celui qui avait bien servi la cité, on lui faisait un panthéon, on lui faisait un arc de triomphe, on lui donnait les honneurs, on le traitait mieux.
Et les gens marchent à ça, et on marchera toujours aussi à ça. Il n'y a que les malades mentaux qui marchent au pognon, hein, et qui marchent que au pognon, et qui s'occupent du bien, et qui sont capables de faire des choses bien que parce qu'ils ont 1 million d'euros par an. Mais il y a très peu de gens qui marchent comme ça. Vous parliez d'anachronisme tout à l'heure. Oui. Alors, quand vous parliez de tirage au sort, c'était dans un certain contexte, à une certaine époque. Peut-être que maintenant, il faudrait parler autre chose que tirage au sort. C'est éthique après, parce que tirage au sort, maintenant, ça fait un peu casino, tout. Il y a une personne. Ça demande un travail, hein. Je sais que ça demande un travail. C'est peut-être un autre. Oui, non, mais. Non, simplement. Non, je voulais juste. C'est pas dans la même mesure, mais dans les tribunaux, on tire des citoyens au sort. Aujourd'hui, en assises, on tire au sort les jurés et pour mettre en prison à vie des gens. Et ça marche très bien. Et c'est des choses très importantes, hein. C'est pas. Et ça change les gens. Ça marche théoriquement très bien, mais sans que les tirés au sort risquent d'être des affreux, bon, enfin, comme vous dites. Oui, oui. Parce que c'est tout très. Chacun d'entre nous peut être sensible à des pressions financières. Donc, il y en a qui l'ont dit tout à l'heure. Des pressions affectives, des pressions. Oui, chacun peut être. Etc. Chacun d'entre nous. Et c'est le cas, on sait. De temps en temps, dans les tribunaux, mais bien sûr, il y a bien des sûr. Jurys populaires qui sont effectivement tirés au sort, sans avoir de compétences, absolument. Forcément, et sans avoir de moyens de se défendre contre les pressions. Alors que c'est un peu dommage de dire que nos représentants sont payés, sont indemnisés, etc. Mais vous savez bien que quand on a commencé à indemniser nos représentants, députés ou maires, c'était pour éviter qu'ils soient justement trop sensibles aux pressions financières d'une part, et d'autre part pour éviter que ceux qui pouvaient jouer ce rôle ne pouvaient être que ceux qui avaient déjà des revenus par ailleurs. Oui, bien sûr. Ah, non, mais bien sûr. Donc, c'est quoi votre prénom? C'est Alain. Alain, je suis complètement d'accord avec vous. Il faudra payer nos députés, enfin nos députés, ça va. Si c'est une démocratie, ce ne sera plus nos députés, parce que c'est nous qui voterons nos lois. Ce seront nos policiers, nos juges, nos fonctionnaires, les gens dont nous avons besoin, les gens dont l'Assemblée a besoin pour faire ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Mais Alain, je sais bien que ce ne sera pas parfait. Oui, il restera des risques de corruption, mais beaucoup moins. Si vous voulez, ne renoncez pas à un système dans lequel nous serions mieux protégés contre les abus de pouvoir et les injustices, sous prétexte que ça ne va pas être parfait. Oui, il va rester des risques de corruption, mais beaucoup moins. Rendez-vous compte que pour l'instant, ce que j'appelle les Versaillais, c'est-à-dire ceux qui, pour moi c'est sur la longue durée, je les retrouve tout le temps. Depuis 1789, je retrouve ces ultra-riches, ces 1%, qui font la pluie et le beau temps, qui font les guerres, les injustices, qui font ce droit injuste qu'on appelle le capitalisme, parce que c'est du droit le capitalisme, c'est le droit du propriétaire sur les travailleurs. Et ça, ça n'est rendu possible que parce que les riches ont réussi, et jamais ils avaient pu dans l'histoire des hommes avant. Il faut comprendre qu'avant, c'était pas bien, il y avait des abus de pouvoir, mais les riches devaient partager le pouvoir avant 1789. Les riches devaient partager le pouvoir avec les nobles, avec le clergé, avec le roi. Vous idéalisez, je crois, un peu ce qui se passait avant la Révolution. Non, pas du tout. À savoir qu'une royauté dont vous avez souligné tout à l'heure que ça pouvait être une solution, je ne regrette pas la royauté. Non, c'était une provocation pour vous montrer que j'étais ouvert. De la même façon que vous avez pris comme exemple le référendum d'initiative populaire en Suisse, oui. Moi, le système suisse, la vie des Suisses, de la majorité des Suisses, avec le pouvoir des banques actuelles, le rôle des banques dans les années 30 et 40... n'est pas exemplaire. Je ne regrette pas ça. J'ai pas envie de le prendre comme exemple. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous avez parlé de la Suisse. Oui, mais alors, c'est parce que j'ai pas fini mon exemple. Les fédérations, les Français... Oui, alors, j'ai parlé de la Suisse parce que j'ai oublié de vous dire que pendant que les Français se faisaient... Alain, pendant que les Français se faisaient détruire... Vous faites bien de m'y faire penser parce que j'ai oublié et c'était important pour que vous compreniez pourquoi je vous parlais de la Suisse. Pendant que les Français se faisaient détruire leur retraite sans aucun moyen de résister. Pendant ce temps, la même année, l'année dernière, les parlementaires suisses ont eux aussi voté des lois dégradant la retraite des Suisses. Dans les semaines qui ont suivi, les Suisses ont déclenché un référendum d'initiative populaire qui a évidemment réussi et ils ont abrogé les lois en question. Je vous demande d'être attentif là-dessus. Je ne dis pas que la Suisse est un modèle,
C'est pas ça. C'est comme la démocratie athénienne. Ça n'est pas un modèle. Je dis comme Castoriadis que dans la démocratie athénienne, il y a un germe, il y a un truc qui m'intéresse. Je ne prends pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la Suisse, il y a des tas de trucs qui me dégoûtent. Mais il y a des choses qui m'intéressent. Et j'ai du discernement, c'est-à-dire que je ne jette pas tout l'exemple suisse parce qu'il y a des choses qui me débectent. Je fais le tri, je discerne et je dis « Ah, ça c'est bien, ça m'intéresse ». Et là, je dis « L'esclavage, ça ne me plaît pas, la phallocratie, ça ne m'intéresse pas, la brutalité, la mise à mort, j'en veux pas ». Mais par contre, pour désynchroniser le pouvoir économique du pouvoir politique, Alain, ça devrait vous intéresser quand même. Même avec les idées marxistes, même dans les expériences sur les idées de Marx, on n'a jamais réussi à désynchroniser le pouvoir politique du pouvoir économique. Là, ils y sont arrivés pendant 200 ans. C'est sexy, ça. C'est attrayant. Enfin, c'est sexy, c'est attrayant. Je veux dire, non, c'est pas... Vous ne trouvez pas... Comment ? Ah, oui! Ils sont vaincus au pouvoir pendant 200 ans, c'était les mêmes familles qui tenaient. Mais pas du tout! Là, vous avez tort! Je ne parle pas de pouvoir politique, je parle de pouvoir économique et financier. D'accord, il faudrait que vous laissiez la parole à d'autres. Il y a un monsieur qui veut pas À Athènes, Alain, j'insiste. Là, peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais là, il y a un point à régler qui est un point de fait. Donc, c'est pas un point, il n'y a pas de quoi s'empailler. Il y a un point de fait. Moi, ce que je lis, c'est que je lis Platon, Aristote, qui se plaignent toute leur vie du gouvernement des pauvres. Ne me racontez pas que c'est les riches qui dirigeaient. C'est pas vrai. Non, non, non. Je crois pas, hein. Sur le plan des faits. Ce que je veux dire, c'est que ça ne remet pas en cause la richesse de quelques-uns. Et la pauvreté de la majorité. Non, mais c'est pas, la richesse ne fait pas le bonheur. C'est ce que disent les riches. Soyez pauvres. La richesse ne fait pas le bonheur, mais la mienne, oui. Ah mais là c'est du dogmatisme de base, dogmatisme total qui est complètement fermé, on en revient sur le sujet. Là, je suis sûr qu'il y a... Ah mais là on n'est pas dans l'empathie là, on est vraiment dans le conflit. Alors, il y a quelqu'un qui est très passionné en milieu. Allez, vas-y.